Présentation de l'ange Pahalia. Ange gardien des personnes nées du 27 juin au 1er juillet, ces personnes peuvent lui adresser des prières et obtenir des résultats tous les jours. Les autres obtiendront les dons et les pouvoirs que cet ange accorde en le priant pendant ses jours de régence, qui sont le 9 avril, le 23 juin, le 6 septembre, le 17 novembre et le 28 janvier. Dans la journée, il régit de 6h20 à 6h40. Pahalia signifie Dieu rédempteur. Il fait partie du cœur angélique des trônes, son archange recteur est Zadkiel. Les énergies planétaires sont Saturne et Mars. Sa couleur hiérarchique est l'indigo. L'encens traditionnel à utiliser est le storax et la muscade. Les couleurs angéliques sont le bleu et le rouge. Sa pierre dédiée est la malachite. Il détient le pouvoir sur la moralité, la persévérance, les traditions. Il aide les hommes à lutter contre l'agressivité et la méchanceté. Pahalia accorde la compréhension, guide les natifs de sa régence à la spiritualité et révèle leur force de caractère. Il éveille leur foi, renforce leur résilience et les met devant l'évidence que terre et ciel ne font qu'un dans leur cycle de vie. Ces encens traditionnels, le storax et la muscade, facilitent la relaxation, la réflexion et augmentent les pouvoirs psychiques. Servez-vous-en pour faire connaissance avec votre guide. Pahalia apporte dans votre vie la libération. Il est capable de réveiller la Kundalini, l'énergie vitale. Il vous donne de l'assurance, de la bravoure et de la vitalité pour que vous puissiez traverser facilement les épreuves. Au sein du couple, il vous apporte la transcendance de la sexualité, la pureté dans l'intimité, la fidélité et l'union sexuelle divine. Il peut corriger les erreurs que vous faites par des émotions démesurées ou des désirs magnifiés. L'ange Pahalia vous est d'une grande aide quand il s'agit de la spiritualité et de la morale en vous permettant de comprendre le bien et le mal. Il vous aide aussi à élaborer les normes dans le comportement instinctuel. Cet ange gardien vous apporte la pureté et avec lui, vous acceptez de faire des sacrifices pour avancer et pour évoluer. Il vous donne un comportement moral exemplaire afin que vous deveniez un grand initié. Pahalia vous offre une harmonieuse vie spirituelle tout en vous apportant de la libération pour une rencontre avec le moi supérieur. L'ange Pahalia vous préserve de l'utilisation abusive de pouvoir, de l'extrême violence et du fanatisme. Il vous protège des luttes acharnées, d'un destin difficile et de la rigidité. Il vous protège de la dépression, des maladies, des appréhensions et des accablements. Il vous garde contre les problèmes en rapport avec la sexualité comme le rejet de la vie sexuelle, les aventures sans lendemain, l'infidélité, les débauches et le libertinage. Il vous écarte également du gaspillage sexuel ainsi que de la prostitution. Il vous corrige si vous ne croyez pas en une puissance supérieure ou si vous violez les lois divines. Aussi, il vous met sur la bonne voie si vous avez tendance à partir à la conquête des acquisitions matérielles tout en vous éloignant des religieux qui cherchent à vous convertir.
Qu'importe les problèmes sexuels que vous connaissez en ce moment, priez l'ange gardien Palaïa et il vous délivrera de ce mal qui vous ronge intérieurement. Si vous avez des problèmes de santé en rapport avec les lombaires, faites-le entrer dans votre vie pour aider à passer ces périodes difficiles facilement. Dans l'adversité, il encourage la bravoure, la résistance morale et physique, ainsi que la ténacité. Grâce à tout cela, vous parviendrez à surmonter les épreuves difficiles sans pour autant laisser aller dans le découragement. Alors n'hésitez pas à demander son aide et son soutien.